J'ai pu, dans mon métier, être astrophysicien. J'ai pu être archéologue, mais j'ai pu être aussi collectionneur de voitures anciennes. J'ai eu la chance de vivre à d'autres époques que la mienne. Je passe beaucoup de temps dans mes mondes et dans mes univers avec des personnages que j'ai la chance de côtoyer et qui entrent comme ça dans ma vie pour ne jamais en sortir. Ce sont des personnages de fiction, mais qui prennent vraiment vie. Bonjour Marc Lévy. Bonjour Valérie. On est ravis de vous accueillir dans le Paris des Arts. Vous, merci. Le romancier de tous les superlatifs, le plus vendu, le plus lu, le plus traduit, le plus clivant. On va revenir sur votre carrière folle, sur votre dernier roman aussi. Vous allez évidemment nous en parler, mais avant, je vous propose qu'on aille se balader tous les deux à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Ça vous tente ? Énormément. Alors on y va. Allez. Place du Trocadéro, à l'intérieur du Palais de Chaillot à Paris, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine est depuis son ouverture en 2007 le plus important centre d'architecture au monde. Son musée présente de grands chefs-d'œuvre français du Moyen-Âge à nos jours. Les visiteurs peuvent notamment admirer des moulages grandeur nature des monuments de l'art roman à la Renaissance. Donc nous voilà dans la Cité radieuse. Bonjour Elvira. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Alors quelles sont les particularités de cette Cité radieuse ? La Cité radieuse est l'accomplissement des travaux, des réflexions de Le Corbusier qu'il a mené pendant une vingtaine d'années sur le logement de l'homme moderne. Et donc c'est la synthèse de ces réflexions sur la cellule familiale et les logements collectifs avec les services communs qu'on trouvait à la Cité radieuse. Vous qui avez dirigé Marc pendant plus de 10 ans une agence d'architecture, est-ce que Le Corbusier c'était un exemple à suivre ou pas ? Pour ma génération, Le Corbusier c'est le fondateur de la Cité justement qui malheureusement n'a pas été du tout joyeuse et qui a été finalement la Cité Blocos. Mais ce qui me fascine chez Le Corbusier c'est son travail d'architecte d'intérieur. Je trouve qu'il y a eu des inventions, il y a eu des créations, il y a eu une réflexion autour justement de l'aménagement intérieur, de la maximisation des espaces. Donc là, on arrive à Londres. On arrive en 1851, au moment de la première exposition universelle. Avec cette création du Crystal Palace, je crois que c'est l'avènement du verre. Et de l'acier. Absolument. Il est conçu par un jardinier paysagiste qui s'appelait Joseph Paxton et qui a conçu une gigantesque halle d'exposition en métal et en verre, avec aussi beaucoup de bois, et qui va ouvrir et permettre toute l'architecture métallique au 19e siècle. Bon, donc là, on est devant un ouvrage de Renzo Piano. Renzo Piano s'inspire des cases traditionnelles kanak. C'est le centre culturel Jean-Marie Djibaou qui est dédié à la culture kanak. Jean-Marie Djibaou étant un fameux leader indépendantiste. Cet ouvrage qui est, on le voit bien, entièrement tourné vers l'extérieur, il est conçu pour être très aéré. Ça fonctionne quasiment comme une cheminée naturelle. La double coque permet à la fois au vent et à la chaleur tenue à l'extérieur. Ce que je trouve extraordinaire dans l'architecture, c'est que quand elle est très forte, elle prend vie, alors qu'elle n'est faite que de matériaux sans vie. Et elle prend vraiment vie. Vous voyez ce bâtiment qu'on regarde là, si vous le filmez d'ici, et pourtant ça n'est que la maquette, vous ne pouvez pas rester insensible à sa force, à sa puissance, à ce qu'il dégage humainement. C'est comme une cathédrale, comme un temple. Marc Lévy, un nouveau roman, Éteignez tout et la vie s'allume. C'est un roman qui s'est imposé comme une urgence. Je crois qu'une nuit, l'été dernier, vous êtes réveillé et vous aviez envie d'écrire ce livre. Comment a jailli l'étincelle ? Je ne sais pas si c'était une urgence, c'était un désir. C'est un roman qui est né comme ça, d'une envie d'amour. En fait, en me mettant à écrire, je ne me disais pas, tiens, je démarre un nouveau roman. Je suis parti avec ces personnages
Jérémy est arrivé le premier, et puis j'ai suivi ce jeune homme dans, à la fois dans son errance et dans sa détermination à en sortir. Et puis il y a cette rencontre avec Adèle. Elle voit dans le regard de Jérémy une autre femme que celle qu'elle voit dans le miroir et qui est cette femme qu'elle a toujours eu l'impression d'être, mais qu'elle a perdu de vue. Elle a perdu un regard sur elle-même que lui renvoyait simplement le fait d'être aimée. Alors, je ne sais pas si vous êtes doué pour le bonheur, mais il y a une volonté dans tous vos romans de faire triompher l'optimisme sur le cynisme. Certains y voient une facilité. Pour vous, c'est un tour de force ? Oui, enfin, moi, je suis comme Adèle. Hein. C'est-à-dire, j'ai toujours fui la complaisance dans le malheur. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes tout le temps heureux. Au contraire, enfin, je pense que si vous fuyez le malheur, c'est parce que vous êtes conscient aussi qu'il peut vous courir après et vous rattraper facilement. On regarde un peu dans le rétroviseur. On s'intéresse à votre premier roman. Et si c'était vrai, ce qui allait devenir un best-seller vendu à plus de 4 millions d'exemplaires était au départ un conte pour votre fils. Alors moi, j'adore cette histoire. Est-ce que vous pouvez nous refaire le film des événements? Je crois qu'à l'époque, vous aviez quoi, 37, 38, 39 ans? Oui, à l'époque, moi, je suis un papa seul. Mais mon fils, il a 8-9 ans. Comme beaucoup de parents, je lui raconte une histoire le soir pour l'endormir. Et j'ai eu la mauvaise bonne idée d'en faire une histoire à épisode. Dès qu'il s'endormait, hop, j'allais dans mon bureau et pendant 2 heures, j'écrivais l'épisode du lendemain. Ça m'amusait beaucoup. Puis j'apprenais le plus possible l'histoire pour la lui raconter au lieu de la lui lire. Et un soir, il me dit, écoute, tu sais papa, franchement, je crois que la télé, c'est quand même plus intéressant. Je préfère regarder la télé plutôt que d'écouter tes histoires. D'accord. Je me suis aperçu très vite que ce moment, enfin ces 2 heures que je passais tous les soirs dans mon bureau à lui écrire, me manquait horriblement. Et donc je me suis dit, bon bah écoute, à défaut de pouvoir écrire une histoire à un enfant qu'il est, rien ne m'interdit d'écrire une histoire à l'homme qu'il deviendra un jour. Puis un jour, ma sœur est venue dîner à la maison, elle a vu le manuscrit sur mon bureau, elle l'a pris, elle l'a lu, et elle m'a appelé le lendemain en me disant, il faut que tu l'envoies à un éditeur parce que tu vas être publié. Et avant même que le livre sorte en librairie, vous recevez un coup de téléphone, allô, c'est Steven Spielberg, je voudrais faire un film. Mais comment c'est possible? Alors en fait, ça c'est dû au talent d'une femme qui va jouer un rôle très important dans ma vie, qui est Susanna Léa. À l'époque, elle travaille, elle dirige le département des droits étrangers chez Lafont. Et elle décide d'emmener le manuscrit à la foire de Francfort. Et donc là, il y a, je crois, 6 ou 7 studios de cinéma qui veulent acheter les droits de l'histoire. Bon, c'est dingue, c'est incroyable. Oui, c'était fou. Et donc ça revient aux oreilles de Spielberg. Aux oreilles de Spielberg. Et donc là, il m'appelle. Qu'est-ce que vous faites? Y a quelqu'un? Quel type de rencontre tu as fait? Rencontre? Qu'est-ce que... Y a rien à voler ici! Mais ici, c'est chez moi. Ça peut pas être chez vous, parce que c'est chez moi. Le succès vous tombe dessus, le livre s'arrache, le film se monte, le public vous adore, la critique parisienne, elle, se déchaîne et vous démolit. Comment vous vivez ça à l'époque? Et surtout, comment vous l'expliquez? Oui, c'était très, très violent. Ça me blessait par rapport à mon fils. Ça me faisait souffrir que ça rende mon fils malheureux. D'ailleurs, il a subi quelques attaques à l'école. Oui. C'est l'une des raisons qui a un peu précipité votre départ aux États-Unis. On est parti en Angleterre, d'abord. Mais c'était pas... Je suis pas parti pour fuir. Je suis parti parce que je me suis dit, mais en fait, c'est un truc... On parlait tout à l'heure de la quête du bonheur. Je me dis, mais c'est une aventure extraordinairement heureuse. Et il n'est pas question qu'elle soit gâchée par des maldisants. Dans votre bibliographie, il y a un roman qui a une place à part, Les Enfants de la Liberté, l'histoire de Claude, de Raymond, deux jeunes juifs qui s'engagent dans la résistance en 1943, qui vont être arrêtés, emprisonnés, finalement embarqués dans le train fantôme vers Dachau. Ils vont s'évader de manière rocambolesque. Raymond, c'est votre papa, Claude, c'est votre oncle. Vous avez découvert cet héritage familial assez tard? Oui, on l'a découvert tardivement. On savait que papa avait fait 2-3 trucs pendant la guerre, mais il bottait toujours en touche et il en parlait toujours avec humour et détachement, comme si c'était complètement anecdotique. Aujourd'hui, enfin, on sait pourquoi il agissait ainsi. Pourquoi? Parce que la raison même de son combat était que nous ayons des vies
enfin, nous ayons des vies entre guillemets normales, que nous ayons des vies. Et donc, il ne voulait surtout pas que nos vies se construisent sur la noirceur de ces années-là et sur la dureté de ces années-là. D'ailleurs, il me l'a dit un jour, il a dit, tu sais, la vraie victoire, c'est qu'on nous avait dépossédés de nos identités, on nous a arrêtés, on nous a torturés, on nous a assassinés. Mais pour tous ceux qui ont survécu, on s'est mariés, on a fait des enfants et on a aimé. Qu'est-ce qu'il a pensé, votre père, du roman ? Il m'a dit... il a eu cette phrase magnifique. Il m'a dit, il a souri, il m'a dit, tu sais quoi, je ne me souvenais pas que ça avait été si dur. Les résistants font des personnages incroyables dans un tout autre registre. Vous avez écrit cette trilogie des neufs sur ces hackers qui se battent pour la démocratie. Je crois que vous avez eu du mal à poser votre stylo, à écrire le mot fin. À quel moment vous avez décidé de vous intéresser à ces cyberespions ? Je vis aux États-Unis. Trump vient d'être élu. Et je vois très, très, très rapidement... la démocratie américaine attaquée comme elle ne l'a jamais été. Et donc, je commence à m'intéresser vraiment quotidiennement à ce qui est en train de se passer. Et puis, en menant mon enquête, en menant cette enquête et en commençant à travailler avec des grands reporters qui travaillent sur les mêmes thématiques, qui sont celles des attaques systémiques contre les démocraties, je m'aperçois que un certain nombre de faits sont en train de se produire dans un certain nombre de pays et que... il y a des liens entre eux, et que ces liens ne peuvent pas être simplement ceux du hasard. Et qu'il y a derrière ces liens, il y a un projet. Il y a un projet des oligarchies qui est réellement de déconstruire les démocraties pour, après avoir mis la main sur les plus grandes richesses de la planète, mettre la main sur les pays, comme au Monopoly. Dans son Paris des Arts, Marc Lévy a tenu à rencontrer Aurélie Saada. L'ex-moitié du duo Brigitte vole désormais de ses propres ailes. Elle vient de sortir un album solo où elle livre des pans de son histoire et assume une féminité à la fois fragile, sensuelle et gourmande. Bonjour Aurélie. Bonjour. Aurélie, on débute par la musique. Un nouvel album. Vous réussissez cette chose étrange, réussir à camper une ambiance solaire, joyeuse. En parlant de vos blessures intimes, vous aviez besoin avec cet album de vous livrer ? Je crois que quand on écrit, il faut que ce soit... qu'au départ, il y ait un cri. Et je trouve qu'en plus, ce qui est intéressant à travers la musique ou à travers toute forme d'art, c'est qu'on peut transformer nos blessures en quelque chose. On peut en faire quelque chose. Vous, Marc, évidemment, le roman, c'est un exercice d'écriture fictionnelle. Quelle part de soi on met dans un roman ? On est beaucoup moins courageux que ce que fait Aurélie, parce qu'Aurélie, elle écrit, elle joue et puis elle interprète. Alors que l'écrivain, très lâchement, il fait interpréter par ses personnages. Et vous avez ce courage incroyable de monter sur scène. Alors que nous, si on suivait un lecteur chez lui pour se planquer dans son canapé, ça lui foutrait quand même drôlement les jetons. Donc, on s'abstient. Dans cet album, la Tunisie n'est pas loin. La Tunisie, c'est le pays de vos parents. Vous y êtes allé pour la première fois pour tourner le clip de l'album. Ça ressemble un peu à un voyage initiatique. C'était complètement un voyage initiatique. Moi, la Tunisie, elle était là dans ce qu'on mangeait, dans les mots doux que ma mère ou mes grands-mères nous disaient. Aussi, quand ils s'engueulaient, ils parlaient en arabe pour pas qu'on comprenne. C'est aussi une façon de vivre, c'est une culture. C'était partout dans ma vie. Et en même temps, c'est un pays dans lequel on ne m'avait pas emmenée. Mes parents ne sont pas retournés là-bas, mes grands-parents n'y sont jamais retournés. Et j'ai eu envie... De creuser cette question étrange et d'aller voir là d'où je venais. Bomboloni, c'est un beignet italien. Adopté par les Tunisiens, il ressemble à quoi ce beignet ? Je suis curieuse. Alors, bomboloni, ça veut dire beignet en italien. C'est un beignet comme un disque, comme un soleil. Comme ça, il est grand, rond, tout boursouflé, imparfait, avec un petit trou au milieu. Il se mange chaud quand il sort de la friture. Il croustille et il a
le goût du souvenir, le goût de la famille, de quelque chose de joyeux et de réconfortant. Je ferai la magicienne sur ta langue et dans ta bouche. Tu reprendras tes forces dans la cuisine de la Louve. Mais je te connais trop, demain tu t'en iras vers celles qui te font pleurer, tu n'y résistes pas. Est-ce que vous avez goûté ou testé le gâteau salaud? Vous savez, celui qui vous veut du mal mais qui vous fait beaucoup de bien. Ça, c'est une recette d'Aurélie, j'aime beaucoup. Elle nous fera peut-être un petit gâteau salaud dans une prochaine émission. Viens dans mes bras, je vais te consoler. J'ai des secrets pour te faire oublier. Qu'elle a croqué ton cœur et l'a laissé. J'ai des recettes pour oublier. Des cornes de gazelle, des Montecao, des papas, des dattes et du miel, des roses en chocolat. Pour balayer ta peine, je te ferai des petits plats. Je soignerai ton ventre, chez moi on aime comme ça. Donne-moi ta peine, je vais la cuisiner. Cette petite chienne, j'en ferai des beignets. Des bons bolognais à s'enlécher les doigts. Tu l'oublieras, tu l'oublieras.